le nouveau roman de Tom Perrotta qui s'appelle Les Disparus de Mapleton, qui est une histoire assez particulière, assez étrange. Ça se passe dans une banlieue américaine où tout d'un coup, du jour au lendemain, il y a une partie de la population qui disparaît. Pas uniquement d'ailleurs dans cette petite ville, mais en général, à travers le monde, il y a les gens qui disparaissent. Le roman ne s'attache pas du tout à savoir pourquoi ces gens ont disparu, où ils sont allés, mais plutôt de ce qui se passe avec ceux qui sont restés et qui doivent faire face à cette disparition. Donc on suit une famille de 4 personnes qui n'a perdu personne. Donc la famille est toujours intacte. En revanche, ils ont tous perdu des amis, des relations, des voisins. Et ils ont tous des façons très différentes de faire face à cet événement qui ne s'explique pas. Et on va suivre aussi les relations à l'intérieur de cette petite bourgade assez calme, assez tranquille, mais qui, suite à cet événement, va se révéler un peu plus sombre que prévu. C'est un très très joli roman choral de cet auteur qui a beaucoup de succès et surtout des critiques vraiment excellentes aux États-Unis. Qui est un peu plus confidentiel en France, il était publié à l'Olivier. Ses autres livres ont tous été adaptés au cinéma, donc je pense que les gens connaissent probablement plus les films qui ont été tirés, notamment de son premier roman qui s'appelait Les Enfants de cœur. Il nous rejoint donc pour Les Disparus de Mapleton. Et on compte beaucoup dessus parce que c'est vraiment un roman très subtil, très fin, très très joli sur le deuil, mais avec un humour assez grinçant, avec un rythme assez soutenu. Et donc vraiment, c'est un très très joli roman.